Hi Mina, c'est Kyo-chan. Eh bien voilà, je vous retrouve pour la suite de Zelda Skyward Sword. Nous sommes toujours sur le navire qui contient la flamme de Nairu. Et je vais donc faire la deuxième partie, en espérant pouvoir la finir en une fois celle-ci, mais techniquement je pense que oui. Donc, on ne va pas aller par là, puisque c'était par là que se trouvait le boss, donc on s'en fout de celui-là. Donc maintenant, il est temps d'explorer la suite, maintenant que le vaisseau a retrouvé sa splendeur d'antan. Alors, par là, je crois qu'il n'y a toujours rien techniquement. C'est juste un couloir vide, c'est bien ça. Donc, ici, si je voulais, ici, il y a des papillons pour dessiner sur le mur, je crois. Alors, tac. Parce qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup de zones fermées et bloquées, donc maintenant ça va être différent. Vous m'énervez, vous, avec votre foudre! Voilà, vous voyez, nous avons un coffre ici qui est bloqué par ça vu que la chronolite est activée. Et en fait, si on parle à Faye, elle va nous dire que nous pouvons atteindre la chronolite d'ici pour repasser dans le passé. Mais je ne vais pas l'écouter parce que je le sais. Voilà. Donc il va falloir que je récupère des flèches au fur et à mesure, sinon je vais avoir des problèmes. Et nous obtenons enfin la map. Il était temps que nous obtenions la map. Ok. Au passage, nous pouvons ouvrir ça désormais. Je vais quand même réactiver le truc. Parce que je vais quand même en avoir besoin pour plus tard, je pense. Attendez. Ah, je crois que je peux récupérer. Ouais, voilà, il y a des flèches ici. Super. Alors, hop. On va réactiver la chronolite. Raté, évidemment. Nickel. Des flèches. Ok. Donc, ensuite. Ah merde, fallait pas que je l'active parce qu'il y avait ça. Bon. On va la redésactiver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ici, ça va être chiant parce que on va jamais savoir à quel moment passer du passé au présent ou du présent au passé. Voilà. Voilà, vous avez compris le principe. J'allais dire sérieux. Je peux pas récupérer la flèche. Non, je m'en fous, maintenant il est activé, je m'en fous. Non, je peux pas récupérer la flèche, ça c'est con ça. Ok, on va donc passer à la salle à côté. Ah, là par contre il va me falloir... ouais. Là, il va falloir que je réactive la chronolite. Oula, 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 gerbe.
Ok. Nous avons activé ça. Maître, j'ai ressenti une forte secousse. Il est probable qu'en activant cet appareil, une sorte de mécanisme soit mis en marche dans le navire. J'ignore les détails, mais je vous conseille d'aller libérer les matelots captifs au plus vite. Oui, bah ça va, j'y vais, j'y vais. Alors les matelots, ils étaient ici justement. Enfin, ils étaient un peu plus loin. Merde. Vengeance. Voilà, ils étaient là, les matelots. Donc. Mais allez, mais putain, et ça va m'énerver. Bonjour. Comment un humain comme toi est arrivé jusqu'ici? Tu es venu avec la capitaine pour nous délivrer? Ça me fait trop plaisir. Mais à cause de ces barreaux électriques, on peut pas sortir d'ici. En effet. La salle des machines se trouve sous cette cellule. Ok. Comment je peux y accéder? Tu y trouveras un couloir qui conduit de l'autre côté. Mais pour arriver ici en passant par la salle des machines, il faut y rétablir le courant. Tiens, est-ce que tu aurais mis en marche un générateur? Mais tu n'en as activé qu'un, il y a deux générateurs. Ok, donc il est dans l'autre salle en fait, simplement. On compte sur toi. Ok. Donc il faut que j'aille activer l'autre générateur. En fait, je pense que j'aurais pu faire les deux générateurs avant de venir les voir. Mes souvenirs commencent à être très très flous pour certains donjons. Je sais qu'il y a certains trucs qu'il faut faire, mais il y a d'autres. Je sais qu'il faut les faire, mais je sais plus à quel moment. Alors attendez. Ah bah oui, en plus c'est vrai que justement, avec le truc, avec la conduite activée, je pouvais entrer ici. Je suis bête. Mais que je suis bête! Autant alors quelquefois je les ai hyper facilement, autant quelquefois j'y arrive pas. Hein. Bon, je suppose que toi. Voilà. Ah oui, je vois. Je vois. Donc en effet, on a le générateur qui est là, mais l'autre porte est fermée et il va falloir justement y arriver par un autre moyen. Je crois que je peux pas le faire descendre d'ici. Non, je ne peux pas l'atteindre. Par contre, j'atteins la salle des machines. Je crois. Ouais. Celle-là n'est pas activée, c'est l'autre côté qui est activé. Ah! Eh ben merde alors! Bon. Il va falloir trouver une autre solution. En fait, je sais. Attendez, je sais. Il va falloir remonter. Mais remonter vraiment sur le pont en fait. Tant que ça s'est ouvert, il faut monter sur le pont. Ouais, c'est pas mal d'aller-retour dans ce donjon.
C'est ça les bateaux, malheureusement. Alors, c'est par là, il me semble. Ouais. Voilà. Et en fait, l'astuce, elle est ici. Parce que maintenant qu'on a ouvert le passage, lui, il va descendre et m'amener là. Techniquement ne va pas changer grand chose. Ah mais si! Si si, totalement, totalement. C'est moi encore une fois qui était trop vite. Voilà. Ensuite, mon Joy-Con, si tu veux bien te recalibrer, ça m'arrangerait. Voilà. T'es sérieux, Link? T'es sérieux, Link? Bon. Merci. Complètement raté parce que j'ai bougé, évidemment. Je l'ai. Nickel. Donc, on peut activer le deuxième générateur, ce qui va nous permettre de pouvoir accéder à la salle des machines. Ça y est. Et comme on a ouvert ça, on peut passer par l'autre pour maintenant descendre de l'autre côté. Alors on n'a pas besoin de remonter avec le navire, hein. On va juste prendre l'échelle que j'avais pris avant. Voilà, ce coup-ci on est bon. Allez. Alors ne vous faites pas écraser, évidemment c'est du one shot. Hein, Alors je sais qu'il y a une salle au trésor ici en plus, donc on va pas passer à côté. Merde! Putain. Ah, c'est pas possible, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Voilà, ce serait con de passer à côté de tout ça. Bon, par contre, s'il y a des rubis, ça va encore bien m'emmerder. Mais bon, on va faire avec. Hein. Je crois que c'est surtout des trésors, en fait. Hein. On a quand même 5. Hein. Bon, il y avait un rubis, malheureusement. Encore un rubis perdu, magnifique. Et une corne de monstre. Ok, nickel. Comme ça, on a tout. Allez, hop.
Ah oui, non, non, non. Je l'ai vu. Merde. J'ai fait n'importe quoi. Effectivement, je pense qu'on peut pas s'écraser au plafond. Non. Mais ah, Link, s'il te plaît. Voilà. Alors évidemment, on a le raccourci ici. Et maintenant, dans le petit trou. Heureusement que Link n'est pas grand. C'est marrant parce que c'est vrai que dans tous les Zelda, quand on compare Link adulte, hein, je veux dire, aux autres adultes des jeux, c'est toujours lui le plus petit. Il est pas grand, Link. Je crois qu'ils ont toujours pensé qu'il faisait 1m60, un truc comme ça. C'est vraiment pas un... T'es jamais très grand en fait. Tu es vraiment venu nous aider? Je suis si content. Je vois, tu es venu sur ce bateau pour trouver la flamme de Nairou. Pour réanimer la flamme de Nairou, il faut d'abord reprendre le contrôle du navire. La salle de contrôle est à côté de cette cellule, mais elle est fermée par une grande porte qui nécessite une clé spéciale. Rends-toi d'abord dans la cabine du capitaine. Tu devrais y trouver la clé de la salle de contrôle. Pour te remercier de nous avoir libérés, je te donne cette clé. Avec cette clé, tu pourras entrer dans la cabine du capitaine. Ah, super. On peut accéder à la cabine du capitaine en passant par une porte à la poupe du bateau. Ok. Ouais, en effet. Bon, nous, on met les voiles. Désolé, mais il va falloir que tu te débrouilles tout seul pour la suite. Comme d'habitude, quoi. Link se débrouille toujours tout seul. Vous ne faites pas écraser par les trucs, hein. Quoique j'aurais ouvert le raccourci, donc... Vous voyez, la flamme de Nairou est juste ici, présence de la flamme. Et donc, la cabine du capitaine, il faut remonter encore une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par là. Allez, hop. Hop. Allez, hop, voilà. Hop. Et justement, en étant ici, on arrive directement à la cabine du capitaine. Enfin, à la cabine du capitaine, non, on n'y arrive pas directement, on s'en rapproche. Ok. D'accord, il faut d'abord que je désactive la chronolithe. Oh putain, c'est chiant ce truc. Raté. Ok. La visée. Alors, l'arc et les flèches sont très utiles, mais la visée est naze. Je répète ce que j'ai dit à l'épisode précédent. Ne vous plaignez plus jamais de la Wiimote. Je vous l'interdis. Alors, où est... Là. Ah.
Ok. Je sais si je mets du temps à tirer ma flèche, mais comme j'arrive pas à stabiliser ma visée, je voudrais pas encore gaspiller une flèche à la con. Tout ça parce que j'arrive pas à stabiliser ma visée. Hein. J'ai une fée. J'ai une fée, mais je vais gagner Xicœur, hein, donc j'ai pas intérêt à. J'aimerais pouvoir faire un let's play sans game over. Alors, je crois que je suis déjà mort et ressuscité par une fée, ou alors c'est la première fois, je sais plus. Mais j'aimerais bien réussir à faire un let's play sans game over. Ok, nous avons la clé. Nous pouvons donc nous diriger vers la salle du boss. Alors je vais juste vérifier si j'ai bien tous les coffres. Il semblerait que oui. Ok. On y va. Dirigeons-nous vers la salle du boss. Maintenant, quitte à avoir fait ça, autant finir le donjon. Alors avant ça, je vais récupérer de la vie. Voilà. Faut surtout que je répare mon bouclier quand je remonterai au ciel. J'ai l'impression d'être un ange quand je dis ça. Je vais remonter au ciel, hein, surtout. Hein. Ou d'être mort aussi, un fantôme. Allez, on y est presque. Alors celle-là, de mémoire, elle est un peu chiante à faire. Attendez. Je l'ai. Finalement, non. Enfin, je crois que c'est surtout par chance que je l'ai trouvé, hein, mais... De mémoire, il me semblait qu'elle était chiante à faire, celle-là. Oh! Oh non! On se casse. On se casse. Maître Fay rapporte. Il est probable que ce tentacule appartienne à un monstre gigantesque. Non, tu crois? Il est difficile d'évaluer la situation dans ces conditions, mais il semble que ce navire soit attaqué. La probabilité que ce navire sombre si vous n'agissez pas est de 80%. Servez-vous de la force sacrée pour vous frayer un chemin jusqu'à la sortie et analyser la situation. Ok, la force sacrée. Ah!
Ok. Je savais pas que ça faisait ça. J'ai pas eu le temps de me libérer. Encore de l'eau! On coule toujours! Maître Link, faille rapport. Je ressens une présence maléfique derrière cette porte. La probabilité que les tentacules qui détruisent le navire soient en fait les membres d'une créature gigantesque est de 90%. Merci, Faye, pour ces notifications très intéressantes. Ne sortez sur le pont que lorsque vous serez prêt. Bah... Ok, j'ai de la vie. En même temps, j'ai de la vie, mais j'ai plus de fée ni rien, donc je peux que me démerder, de toute façon. Allez, on va essayer de pas mourir. De toute façon, en même temps, si tu veux que je fasse d'autres, j'ai aucun endroit où me cacher, donc... Putain, le vaisseau a été éventré, quoi. Toi, t'es moche. Monstre marin antique. Daidagos, on va l'appeler comme ça. Qu'il est. Des flèches, je prends. Par contre, reste pas trop près des autres parce que je peux pas toutes les couper. Ah si. Parce qu'il est, il est là. Joystick, s'il te plaît! Je l'ai eu. Où il est? Merde, il m'a eu. Mais merde! Voilà. Alors viser en même temps que... qui vous attaque évidemment. J'ai mon joystick qui fait n'importe quoi en plus.
comment vous voulez viser alors qu'il bouge tout le temps? Sérieusement! Sérieusement, quoi! Alors là, je vais repasser par le truc de tentacule, ça va être bien chiant. Ah! Non. Mais arrête de gaspiller tes flèches, Link! Bon, qu'est-ce qu'il fait? Ok, où il est? Je peux pas viser, je vois que dalle! Il arrête pas de bouger! Est-ce que je peux essayer de le déstabiliser? Que dalle. Oh, sale bête. Là, il va réduire mon terrain de jeu. Techniquement, ça va être la dernière phase. Mais dégage! Joystick! Mon Joy-Con qui fait n'importe quoi! Voilà! Non mais oh! Tu m'emmerdes! Cette partie de la vidéo aurait été un peu plus longue, mais au moins, c'est fait. Et voilà le socle de la flamme de Nairou.
Elle essaie de me tuer la feuille au passage. En recevant la flamme de Nairu, Fei s'est éveillée à de nouveaux pouvoirs de détection. Ce qui est un nombre qui sert absolument à rien. Sauf plus tard pour faire des quêtes annexes, ouais. Mais en dehors de ça. Et nous recevons également. La Triforce de la Sagesse! Maître, vous avez acquis la force nécessaire pour apprendre un nouveau chant. Je vous recommande de vous rendre dans le ciel sur l'île aux chants. Merci d'avoir rendu mon navire. Il est en plus état, mais on va le réparer avec mes compagnons. J'espère que tu retrouveras celle que tu cherches. Bonne chance. Tu es le bienvenu ici quand tu veux. Et ben voilà, on va donc s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé, me dire que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me dire, à me suivre sur Twitter et sur Twitch où je fais d'autres vidéos. Et moi je vous dis, ciao tout le monde.